Le port de Nouakchott leur ouvre les bras. Ces pêcheurs sénégalais sont à nouveau les bienvenus dans les eaux mauritaniennes après plus de 2 ans de tensions entre les deux pays. Un soulagement car la raréfaction du poisson dans les eaux sénégalaises oblige ces pêcheurs à jeter leurs filets dans les eaux de leurs voisins du nord. Auparavant, on pêchait illégalement dans les eaux mauritaniennes. On n'était pas rassurés. On prenait la fuite quand on apercevait une lampe. Dieu merci, maintenant, un accord existe. Les relations s'étaient crispées avec la Mauritanie car les pêcheurs sénégalais refusaient de se faire immatriculer ou de débarquer une partie de leur capture sur les côtes du pays. L'an dernier, l'un d'eux a été tué par des gardes-côtes. Désormais, 400 pirogues sénégalaises sont à nouveau autorisées à opérer au large, moyennant des taxes et un quota de la capture réservée au marché local. Les quantités vont augmenter, tout le monde va en bénéficier. Le petit artisan qui ne pouvait avoir que 50 kg de poisson par jour en aura 100. Les sociétés qui traitaient passeront de 1 à 2 ou 3 tonnes. L'État va en profiter. Au lieu de 5 containers, on paiera pour exporter 10 containers. Le bénéfice est général. Le retour des Sénégalais va permettre de diminuer le prix du poisson sur les marchés locaux et redynamiser le secteur de la pêche, qui n'a pas toujours été un secteur prisé par les Mauritaniens. Il y a ici à Nouakchott 52 sociétés qui ne travaillent pas avant. Ils travaillent à 10%, à 20% de capacité. Maintenant, ils vont travailler à 80% et ils vont augmenter l'emploi. Yaya espère aussi que le quota destiné au marché local augmentera pour répondre à la demande. L'entente cordiale est donc de retour entre les deux pays, mais l'issue de la présidentielle sénégalaise pourrait changer la donne. Plusieurs candidats souhaitent renégocier l'accord s'ils sont élus.